Il retrouve son chien volé dans un parc. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bonjour les gars! Le voleur va s'asseoir clochard! C'est toi, tu vois! Eh les gars, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est lui là, vas-y lâche! Attends, lâche-le, lâche-le! C'est lui là qui se passe! C'est mon chien, regarde, il est en voiture! C'est mon chien! Expliquez-moi, attends, les gars, je comprends pas, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon chien il y a deux semaines et on dirait que c'est celui-là! Mais non, je l'ai acheté il y a une semaine et demie! Donc si j'ai bien compris, toi tu me dis que c'est ton chien. Et toi tu me dis que c'est le tien. Mais oui, c'est moi, je l'ai acheté il y a une semaine. Mais comment ça se fait que si c'est ton chien, comment ça se fait que c'est lui qui l'a? On me l'a volé dans mon jardin il y a deux semaines. Et toi tu me dis que c'est le tien, mais t'as les papiers du chien? Ben non, moi je l'ai acheté sans papier. Comment il s'appelle ton chien toi? Je m'appelle Scratch. Mais moi il s'appelle Pirouette. Pirouette? Pirouette? Attends, Pirouette. T'as vu? Scratch? Scratch? Pirouette. Bon apparemment il connaît aucun des deux prénoms les gars. Mais ouais, c'est mon chien. Mais comment ça se fait que t'as pas les papiers alors? Je sais pas, j'ai acheté un mec sur le bon coin, il avait mal noir, j'ai dit vous avez les papiers, il m'a dit non. J'ai le numéro du mec, si vous voulez je l'appelle. Ben vas-y, appelle le gars pour voir, on va éclaircir ça, alors appelle le gars, y a pas de souci.